Yo les gens, c'est Enzo pour une nouvelle vidéo, donc c'est normal si la vue elle est comme ça. J'ai pas trop envie de montrer mon visage aujourd'hui là, je suis un peu fatiguée. Je suis réveillée à 9h là, j'ai allumé l'ordi, la télé, j'ai ouvert les volets, j'ai fait un petit gâteau pour mes parents et tout, donc voilà quoi, vous imaginez pas la misère. Donc, en parlant de gâteau, je vais faire une vidéo sur un gâteau pour le petit déjeuner. Donc, en fait, j'ai fait un gâteau tout à l'heure pour le petit déjeuner. C'est en fait deux. Plutôt le cake au Nutella. Donc déjà si vous voulez je vous le dis là à la parole, mais si vous comprenez pas je vais vous le dire comme ça. Donc il y en a qui vont faire ah, tiens il va nous dire un gâteau, je vais voir un peu les ingrédients, je vais les installer et je vais essayer de comprendre comment il dit. Donc essayez de faire ça si vous voulez. En premier, donc normalement ça bouge parce qu'elle est dans mes mains. Donc en premier, et après je vous dirai un petit truc pas tellement phénoménal à la fin de la vidéo. En gros c'est comme Jojo Bernard. Donc si vous connaissez Jojo Bernard, vous connaissez le Jojo Show. Et lui en fait il fait plein de trucs. En général on va parler des gâteaux. Un peu de gâteau et un peu de bouffe encore. En fait c'est de la bouffe. Presque de la bouffe à part à la fin. Donc voilà, sauf qu'il n'y a pas d'invité. Bon j'ai envie de parler hein, parce que vous êtes là. Mais putain mais parlez du gâteau. Genre en mode mais allez bouge ton gueule là. Bon. Donc alors d'abord il vous faut ben du Nutella. Alors il vous faut déjà, attendez moi je me mets parce qu'il est là, fait tomber ma tablette. Il vous faut 200 g de Nutella, 100 g de farine et 2 œufs. En premier vous prenez, vous pesez 200 g de Nutella, vous le mettez dans un saladier, vous cassez les 2 œufs, vous mélangez jusqu'à que voilà, jusqu'à que ça soit bien liquide. Attendez, j'ai mangé un gâteau donc j'ai un feu. Après, vous mettez la farine, vous remélangez. Vous prenez le beurre. Oui, du beurre aussi, mais pas très important le beurre. Vous prenez du beurre, vous beurrez le plat. Un plat rectangulaire, c'est très important. Et vous venez verser la préparation. Vous mettez de 25 à 30 minutes. Alors, ça en fait, c'est truqué. Donc, ne faites pas de 25 à 30 minutes. Moi, je fais à 20 minutes. Parce que dedans, faut que ça soit. Vous voyez un peu ce que je veux dire, un peu liquide. Enfin, quand je dis liquide, vous me comprenez quoi. Donc, ça ne soit pas tout sec, tout dur. Faut que ça soit normal quoi. Genre un gâteau un peu normal. Donc, voilà. Après, j'ai fait un mug cake. Mug cake façon fast good cuisine. Donc, déjà, vous mettez fast, et après il y aura le mot. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Bon, je fais un peu de pub et tout pour sa chaîne, mais voilà. Vu que j'ai 3 abonnés, il pourra avoir 3 abonnés en plus. Ce qui n'est quand même pas mal, 3 abonnés en un jour, c'est énorme. Imaginez, moi j'ai 3 abonnés à chaque jour. Bon, déjà là, j'en ai que 3. Enfin, je suis pas encore allé voir ma chaîne. Donc, j'ai pas eu vos retours encore. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en préparation d'un gros gros truc qui va arriver. Je pense que ça va arriver dans 2 ans. Donc vous vous dites, ouais, dans 2 ans, mais le truc, c'est un truc qui dure 4 heures. Donc c'est comme un film. Bon, 4 heures en plusieurs étapes. En gros, je vais vous sortir une première étape de 1 heure. En gros, vous allez regarder 1 heure. Non, en gros, il faudra pile voir que toutes les heures, je vais sortir un morceau. En gros, il y aura partie 1, partie 2, partie 3. Il y aura 10 parties en tout. Donc voilà. C'est un gros truc de mais c'est un mélange en fait. Et mélange entre eux, c'est vous allez voir. Donc voilà, après le mug cake, comme je le disais, le mug cake, il faut une cuillère à soupe. Il faut une cuillère à soupe d'huile. En gros, vous prenez plein de bols, vous prenez de l'huile, vous mettez une cuillère dans le bol. Après, vous prenez 2 cuillères de farine, 2 cuillères de Nutella et une cuillère à sucre de sucre et vous prenez un œuf. Si je ne me trompe pas, j'ai rien oublié. Vous mettez le Nutella, vous mettez la cuillère d'huile, vous mélangez. Après, vous mettez le sucre, vous mélangez. Vous mettez la farine, vous mélangez. Vous cassez l'eau, vous mélangez et vous laissez de 30 à 1 minute dans le micro-ondes et c'est excellent. Je l'ai fait. Donc, revenons encore à la dégustation, parce que ça, c'est des trucs. Excusez-moi, je vous montre mes pieds. Donc, il y a
Est-ce que vous connaissez Miami American Market? C'est un serveur américain. Donc, je voulais commander un peu plein de trucs. Donc, je me suis donné un budget de 50 euros. Bien sûr, c'est pour 30 ou 40 euros que j'ai dépensé. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs, des nouveaux trucs, des trucs que j'ai vus dans des. Beaucoup de trucs. De la nourriture que j'ai vu dans des vidéos, je me suis dit, oh, l'acheter, ça doit être bon. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de goûter, que j'ai pris. Heureusement que ça y était. Voilà. Donc, c'est très facile de goûter moi-même avec une marquette. Et il y aura un peu des Oreos à la fraise. Et en bas, il y aura marqué mettre dans le panier, mettre dans le panier. Et après, il y aura sur votre droite ou gauche. Moi, il y en a qui seront à droite, il y en a sur la gauche. Il y aura un panier, il y aura un espèce de chariot. Et vous allez cliquer dessus et vous allez voir le total. En gros, moi, j'avais pris un papier, j'ai noté tout ce que je voulais. C'était vendredi. Et après, je suis regardée. Comment ça s'appelle aujourd'hui, là, je l'ai fait ce matin quand je me suis levée. Je ne veux pas aller geeker comme un gros porc. Donc, déjà, les gens, avant de se dire que je geek comme un gros porc, je ne geek pas. Donc, en gros, j'ai commandé plein de trucs. Je vois un peu les trucs que j'ai commandé. Vous savez, là, sur Super Mario Bros, il y aura un gros carré de points d'interrogation avec un point d'interrogation. Et dedans, il y a des petits bonbons. Donc, bien sûr, je vais faire cette dégustation. Ou peut-être que je vais déjà ouvrir pour manger. Par contre, je veux juste. Je vais garder des trucs parce que je m'en fous. Comme ça, oh, ça c'est dégueulasse et tout. Je veux pas le faire en dégustation, puis je vais leur dire et tout. Non, non, non. Je vais garder un peu le truc. Le truc là que je vous ai dit que. Putain, pourquoi je dis truc. Excusez-moi pour truc parce que là, je suis un peu pressée. Parce que comme vous le savez, je suis en ITEP. Que veut dire le mot ITEP? ITEP, ça veut dire une institution. Oh, putain, institution spécialisée pour. Des enfants handicapés. Alors quand je dis handicapé, c'est pas c'est gueule, c'est gueule. Non, c'est pas ça. C'est pas je suis en fauteuil roulant, c'est pas j'ai un bras cassé et tout. C'est en gros c'est pour des enfants qui ont des problèmes avec leur famille. Donc en gros je vois pas ma mère de. Alors tu vois là après je vais partir. Après je vais partir. Lundi je peux pas la voir. Mardi je peux pas la voir. Mercredi je pourrais l'appeler. Jeudi je peux pas la voir. Et vendredi soir vers 17 h, un truc comme ça, je rentre. Voilà. En fait, on prend un bus. Le bus, il passe, il me dépose devant ma rue, je remonte à pied. Après, il va à Grenade. Alors, vous connaissez pas, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes dans. On dit que vous êtes à Paris, vous êtes là, vous êtes. Ok. Donc, voilà. Donc, moi, je suis dans le 31. Donc, voilà. Alors, les gens, j'aimerais bien que vous m'envoyiez sur My American Market des trucs. Vous commandez. Vous commandez 5, même pas, vous commandez un truc, ça me ferait plaisir quoi. Un truc, juste un truc. Mais bon, après, je l'ai déjà commandé, merci quand même. Mais c'est pas si grave. Un truc, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Et je penserai à vous. Et alors, déjà, donc en gros, vous commandez un truc, vous gardez le carton, vous ouvrez si vous ouvrez tout, si vous voyez tout. Après, vous pouvez prendre des trucs. Hein. Moi, ça me dérange pas. Si je vois le paquet ouvert, je sais que vous en aurez mangé un peu parce que vous avez quand même payé de l'argent. Donc voilà. Alors, celui-là qui va m'envoyer les trucs dans ma dégustation, il pourra choisir un truc. Et je lui donnerai. Donc, alors, je vais pas lui donner tout le paquet parce que voilà quoi, c'est quand même mon argent aussi. Toi, tu auras dépensé, je sais pas, 2 euros, un truc comme ça. Moi, j'aurais dépensé 36 euros dans tout ce que j'ai eu ou 40 euros, je ne sais plus combien. Et j'irai voir juste après cette vidéo. Donc, on est déjà à 8 minutes de vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est mon American Market, comme je vous le dis. Alors. Déjà, vous avez tous un parrain et une marraine. Donc là, on est d'accord. Moi, je vais pas manquer de respect à mon parrain et à ma marraine, c'est des gros enculés. Des gros, mais bien, mais des gros enculés. Et en fait, ils s'occupent pas de moi. Je les ai vus 2 fois dans ma vie. Je sais même plus à quoi ils ressemblent. Je sais même pas si mon parrain, il a 10 minutes. Donc, ça aussi. Donc, excusez-moi pour le gros mot, mais. Vraiment, il t'appelle jamais, c'est ton anniversaire, mais qui est genre moi qui m'en bats les couilles et tout. Donc, je vais changer de parrain et marraine. Donc, dites-moi si. Dites-moi en commentaire. Déjà, si vous allez me commander des trucs et tout. Dites-moi si c'est bien. C'est quand même bien. Attends, mon gars. Toi, alors, vous allez me dire si vous ferez pareil que moi. Si votre parrain s'en bat les couilles de vous. Il s'occupe jamais de vous. Ok? Il fait rien avec vous.
Dites-moi en commentaire si vous aussi vous changerez de pareil ma reine. Ok? Donc, essayez de dire à vos potes de venir s'abonner à ma chaîne pour que ça me donne plus de courage à faire plus de vidéos. Pourquoi je fais plus de vidéos depuis 2 ou 1 semaine? J'ai pas de courage. Vous êtes là en mode, ah, on est que 3 abonnés. Dites-le à vos potes, allez, abonne-toi à tout. Il va faire encore plus de trucs. Je pourrais faire plein de vlogs. Si vous m'envoyez des colis avec 1 ou 2 euros, on montrera d'argent, argent, argent. Après, on aura 1000 euros. Je pourrais acheter une vraie caméra. Une vraie caméra où je pourrais vous filmer pour Call of Duty, pour, je sais pas, Géométrie Dash, des trucs comme ça, sur Clash of Clans, tout. Vous êtes là en mode, fais des vidéos sur Clash of Clans. J'ai une tablette. Et sur ma tablette, il y a Clash. En gros, j'aurais eu Clash of Clans sur le portable à mon père. Là, oui, limite, j'aurais pu, mais voilà quoi. Donc, déjà pour mon clan, sur Clash of Clans, c'est l'écossais du 31. Donc, en gros, après cette vidéo, là, vous pouvez aller le voir. Donc, mais je vous ai dit, donc, mettez un like, mettez un commentaire. Comme d'hab, mettez-moi des défis et que je pourrais réaliser. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à plus tard pour des nouvelles choses, des nouvelles créatives. Et ciao!